C'est pour ça qu'il est dit dans Luc. Nous allons donc vérifier Luc 1:1. Donc à tous ceux qui me regardaient, à tous ceux qui me regardent actuellement, accrochez-vous. Parce que même les anges, là où je suis en train de parler actuellement, il y a des chérubins autour. Parce que le méchant est en train de me piller. Le chérubin jadis où est? C'est pour ça qu'il y a d'autres chérubins ici. Autour. Il y a toute une armée ici. Toute une multitude de légions d'esprits divins à cet endroit. Parce qu'ils ne veulent pas que je parle. Mais la vérité sera rétablie. Nous allons donc aller dans Luc chapitre 1 verset 1. Dans la Bible du semeur, il est dit, plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. Donc, il y a une virgule, et je m'arrête dans la virgule et je donne dans les profondeurs. Dieu seul crée les mots, les langages, les virgules, tout ça là, tout ce que vous savez là dans Genèse 11:7. Donc, je répète Luc 1:1. Dans la Bible du semeur dit, plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Premièrement, il y a deux révélations ici. On dit qu'il y a plusieurs personnes. C'est qui ces personnes-là? Toujours est-il que dans Luc 1:1, on vous dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues. Ils ont entrepris. C'est-à-dire, ils ont écrit tout ce qui se passait au temps du Christ. Ils ont écrit cela. Et ici, on vous dit des événements qui sont accomplis, qui sont passés parmi nous. Donc, la révélation, c'est qu'on dit plusieurs personnes ne sont pas avec le nous, là. Donc, ce sont des étrangers qui ont écrit. Les étrangers sont venus, ils ont réécrit ce qui s'est passé parmi le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on dit plusieurs personnes, là, ce sont les étrangers. Et nous, là, c'est le peuple de Dieu. Bon, on va donc voir. On va aller plus en profondeur. Je vais prendre plein de versions des Bibles parce que j'ai le temps. Celui qui contrôle le temps et l'espace est mon Père. Bible, c'est-à-dire qui sont ces personnes? Maintenant, on va aller dans la Bible, parole de vie, dans Luc 1:1 qui dit, certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Vous voyez, certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Donc, le nous là, c'est le peuple de Dieu. Et certains là ne font pas partie du peuple de Dieu. Ce sont des étrangers. Est-ce que vous comprenez? Luc vous donne la révélation ici là. Donc, faites attention quand vous lisez. Ensuite, virgule, ils ont annoncé sa parole. Donc, vous dites ensuite, ils ont annoncé sa parole. Ces étrangers là ont annoncé la parole de Dieu. Point. Puis, virgule, ils nous ont raconté tout cela et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Donc, on vous apprend ici que les étrangers sont venus, ils ont épié le Christ, ils ont vu ce qui se passait, comment Dieu opérait les miracles, tout ça, les prodiges, comment Dieu a intervenu à travers les prophètes, les apôtres, les patriarches, tout ça, les saints, à travers le Christ. Et les étrangers ont vu, ils ont vu. Ils ont pris cela, ils ont commencé à enseigner ça aussi, ils ont écrit ce qui s'est passé dans le peuple de Dieu, ils sont venus avec ce qu'ils ont écrit, ils sont venus enseigner même encore ça au peuple de Dieu. Et maintenant, on vous dit ici qu'il y a quelques gens dans le peuple de Dieu qui ont même commencé à écrire ce que les étrangers sont venus les enseigner, leur propre histoire. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Luc explique. Bon, c'est qui ces étrangers-là? Qui c'est qui les a mandatés? C'est certains-là. C'est plusieurs personnes là. Qui les a mandatés? On va l'en voir. Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Bon. Bible en français courant. Dans Luc 1:1 dit. Cher Théophile. Virgule. Déjà pour votre information, Luc ce n'est pas Théophile. Luc s'adressait à Théophile. Et c'est qui Luc d'abord? Déjà un, Luc n'était pas apôtre. C'est alors qui Luc? Qui l'a mandaté? Donc on va voir. On va commencer par la Bible, les Bibles que vous avez.
Et on va aller dans les livres apocryphes. On va voir. On va examiner. Parce que j'ai le temps. Chez Théophile, virgule. Donc, on vous apprend ce que Luc, ce n'est pas Théophile. Mais c'est Luc qui écrit, dit, cher Théophile, virgule, plusieurs personnes ont essayé. Oh. J'aime les détails. J'aime les précisions. Plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Donc, on vous donne encore une autre révélation dans Luc 1.1, dans la Bible en français courant, que plusieurs personnes ont essayé. Essayé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont même pas réussi. Ils ont beau vouloir écrire, mais ils n'ont pas réussi. C'est pour ça qu'on dit plusieurs personnes ont essayé. Ont essayé. Et quand ils ont fini d'essayer d'écrire, ils sont encore venus annoncer ça, soi-disant, au peuple de Dieu. Là. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous voyez? Ils ont essayé d'écrire ce qui s'est passé sur le peuple de Dieu. Ils ont essayé d'écrire la loi de Dieu. Ils ont essayé d'écrire les ordonnances du Père. Ils ont essayé d'écrire ce que le Père disait. Ils ont essayé. Le mot apparaît. Le mot essayer apparaît. Vous voyez? Essayer. Et non, il n'est pas d'ici qu'ils ont réussi, mais ils ont essayé. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre. La plume mensongère du scribe. Parce qu'ils ont essayé. C'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre. Dieu vous dit ici que c'est bien en vain. Donc, ça ne sert à rien. Parce que le véritable peuple de Dieu va connaître cette vérité-là. Le véritable peuple du Père va connaître cette vérité-là. Parce que le Christ le dit dans Jean 10. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Parce qu'il y a déjà une bergerie qu'on ne peut pas toucher. Il y a une bergerie qu'on ne peut pas toucher. Mais néanmoins, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, c'est qu'on ne peut pas toucher. Mais quand elles entendront ma voix. Donc, entendre la voix, c'est quoi? C'est ce que je suis en train d'annoncer. Parce que le Christ et moi, le premier est né et moi, nous sommes un. Je le dis. Le Père et moi aussi, nous sommes un. L'Esprit Saint et moi sommes un. Et mes paroles sont esprit et vie. C'est pour ça qu'il est dit ici. C'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Ça veut dire que quand Christ dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, quand elles entendront ma voix, ils sortiront de là. On fera un seul troupeau. Donc les paroles que j'annonce là ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, le Père. Et tous ceux qui vont accepter cette parole là, c'est parce qu'ils feront partie de la vraie bergerie du Christ et du Père. Mais ils sortiront. Et dans Lamentations, chapitre 5, au verset 2, il est dit, notre patrimoine est passé à la main des étrangers. Vous voyez, c'est pour ça que Luc 1:1 dit, ces personnes-là, ce sont des étrangers, ils ont pris notre patrimoine, ils ont essayé de modifier cela. Ils ont essayé. Et ils sont revenus donner ça au peuple, qui était déjà esclave mentalement, spirituellement, intellectuellement. Ils acceptent n'importe quoi. Mais Dieu est bon. Il aime le peuple. C'est pour ça qu'il est dit dans Jude, chapitre 1, au verset 4. On va donc vérifier. Jude, chapitre 1, verset 4, dans la Bible, parole de vie qui dit, je vous écris parce que des... Non, je vous écris parce que des hommes mauvais sont venus en secret parmi nous. Jude dit ici que je vous écris. Il dit vous, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. C'est ceux qui ont accepté le véritable Père. Il dit, je vous écris parce que les hommes mauvais, en fait, ces hommes mauvais là, c'est qui? Ils sont des étrangers. Ce sont des lâches. Il y a des lâches qui étaient parmi nous, qui ont collaboré avec ceux du dehors. Je vous écris parce que des hommes mauvais sont venus en secret. C'est pour ça que Christ dit ici qu'il y a des gens qui mettent les habits des brebis. Des loups qui mettent des habits de brebis au milieu de la bergerie. Après, quand tu vois les brebis qui sont un peu grasses, boum, ils enlèvent les déguisements, allez, waouh, puis ils se mettent à bouffer. Donc, il y a des mauvais gens. Il y a des mauvais gens qui sont venus en secret parmi nous. Nous, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. Ils tordent le message d'amour de notre Dieu. Donc,
C'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Ils tordent le message. Vous voyez? Et dans le verset 14, dans la Bible de l'épée, il est dit, c'est sur eux. C'est sur eux. Eux, c'est qui? C'est ces gens-là. Ce sont ces étrangers. Ce sont ces lâches, ces collabos. Ceux qui font des vidéos contre celui que le Père a envoyé, ce sont des lâches, ce sont des collabos. Ils vont collaborer avec les gens du dehors.